C'est mercredi 5 juin 2024. Eh bien, et voilà, ça avec date ça dit pour président Joe Biden effectue un voyage en Europe. Donc monsieur allé en France, en fait c'est accueilli dans l'aéroport et français, mais son visite d'État et président américain a fait, il a fait dans un moment et justement il pourra le marquer jour J. C'est le jour que l'Alliance, ou bien encore pays alliés, ont été mis ensemble, ont été fait débarquer dans Normandie, côté totale bataille pour défaite et Allemagne nazie. Nous rappelons qu'ils étaient censés dominer l'Europe, mais les États-Unis avec leurs pays alliés, l'Angleterre, etc., ont été mis en opération, côté était démantibulé et Allemagne nazie. Donc, président Joe Biden, l'autre bois là, pour pratiquement tout week-end, jusqu'à pratiquement, son visite 3 jours, mais son visite d'État que lié, côté que président Emmanuel Macron a pas accueilli. OK. Donc, ça, c'est ça. Et puis, tout le monde s'est dit fait bouler, soit fait Ukraine. Ukraine avec États-Unis, et pas tellement États-Unis avec pays européens, et président Ruslan, Vladimir Poutine, ben, il dit lui-même, et conseiller français qui trouvait l'autre bois en Ukraine, ben, l'a traité tant qu'au ennemi de guerre. Tant qu'au ennemi de guerre. Donc voilà, c'est comme ça a été. Et puis, actualité aux États-Unis, c'est décret exécutif que le président Biden signe mardi 4 juin, côté les mettez restrictions sur quantité de monde qui a demandé asile aux États-Unis, à partir de frontières États-Unis partagées avec Mexique là. Et côté tout, ils ouvrent une possibilité pour fermer frontières chaque fois que chiffre là, quantité de monde qui cherche à traverser frontières illégalement. Eh bien, chaque fois que chiffre là est arrivé, 2 500, eh bien, l'administration a fermé frontières. Et pendant 2 semaines, ou bien encore pendant 14 jours, et jusqu'à ce que ce chiffre-là descende à moins que 1 500 par jour, et laisse à l'audit moyenne, c'est-à-dire sur toute ligne frontalière là, qui gagne 9 points d'entrée, et bien jusqu'à ce chiffre-là descende, laisse ça foncer après l'ouvrir encore. Pas grand-chose qui est nouveau, parce que c'était une proposition de loi que déjà ce que le Sénat a essayé de préparer. Et alors, républicain, ou démocrate, s'est préparé dans le Congrès, ça gagne pratiquement plus qu'une année. Et justement, qui le président Biden et doit pour lui faire une frontière, les arrivés, leur quantité de monde qui arrivait, justement, et arrivé dans la limite, ou bien dépassant certaines limites pour lui faire une frontière. Mais, ancien président Donald Trump, est intervenu et il était réagi négativement pour dire que non, 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 non. Et proposition là, ça pas bon, pas bon, parce qu'on a demandé les républicains pour combattre, parce qu'il dit que si nous passons la loi, ça, son cadeau n'a fait l'administration Biden, non, bien n'a fait président Biden, qui s'est candidat pour, et qui a cherché un autre mandat, et lui-même tous les candidats pour retourner dans la Maison Blanche. Donc il dit, si nous faisons son cadeau n'a pas dit, donc pas passé, pas passé. Donc effectivement, pour républicains écouter et combattre position là. En tout cas, dans la déclaration que le président Joe Biden fait hier dans la Maison Blanche, non, eh bien, lui-même lui dit que il était attendu que à ce que les républicains n'aient pas le travail avec lui pour résoudre, pour mettre sécurité sur frontière. Mais il remarquait que ce n'est pas ça qu'il a fait. Alors, étant donné que ça n'est pas ça qu'il a fait, donc il fait cavaler seul et il prend des décrets exécutifs. Je rappelle que tout décret exécutif capable d'éliminer avec un autre décret. Par exemple, le président Donald Trump a même décret que le prend, William, qui pourtait interdire une série de monde venir aux États-Unis. Parmi eux, il y a le décret musulman, mais il y a une série de même européens, tout pas de cap venir aux États-Unis, surtout dans la période Covid-là, et bien, il a interdit de monde ça revenir. Eh bien, le président Biden moutait, il prend l'autre décret, et bien, il mettait le décret ça à côté. Donc, ça veut dire que si le président Biden était sous pouvoir, ben, ça a toujours été, mais si le président Biden a perdu l'élection 7 novembre 2024, jour, eh bien, le président Donald Trump, qui n'a jamais caché son sentiment anti-immigrant, il pas un problème pour lui faire. Donc, le décret ça a licencié en application. Si en moyenne, je dis à la, que autorité et garde frontalière l'État de juin, mis sur 2 500 personnes, eh bien, immédiatement, frontière fermée.
Cependant que président gain aspect humanitaire qui gagne dans décret ça tout aspect humanitaire ça veut dire que monde qui pas concerné que qui a pas affecté par exemple mineur tout type qui moi ce que 18 ans qui vient sur frontière sans parents yo pas affecté monde qui prend rendez-vous à travers programme les programmes CBP 1 nan qui prend rendez-vous pour demander asile sur frontière yo pas affecté monde qui gagne urgence médicale yo pas affecté et monde qui victime nous t'a dit victime de et monde qui a fait et casser pour être monde pour prendre l'argent dans main pour faire entrer sous frontière tout mais juste ça il pas affecté autour donc ça c'est aspect humanitaire puis tout si on arrive sous frontière tout c'est un problème asile vous demandez parce que vous dites depuis c'est conseil qu'un BO et ben ou pas éligible pour demander asile et ben si vous capable monter vraiment gon peur vraiment peur que pas retourner ou pas monter on peur que les ça capable prendre en considération et qu'un besoin donc son mesure qui fait en pile par en pile républicain réagit républicain dit que mes son cadeau mesure ça il pas gagne rien là-dedans. Il n'y a pas, par exemple, réappliqué mesure que ancien président Donald Trump te mette sous pied. Et là, il était sous pouvoir à côté, il était au Mexique, ça a été l'ovinement d'asile. Officier d'immigration retourne au Mexique pour aller en attendant analyser le dossier pour aller là. Il n'y a pas tout limite, il n'y a pas autorité ou bien quoi. Agent faut aller au moyen pour y contrôler la quantité d'immigrants qui vivent, bien que l'administration dit que, il y a après augmenter la quantité de juges, officiers d'immigration, quantité de juges qui pourtant des mounions. Et puis après, il dit, quand c'est temps prend pour tendre au monde qui vient demander asile, il a cherché à réduire le plus. Plus vite que possible et puis qu'on processus rapide sous pas qualifié pour déporter ou bien retourner au Mexique ou bien voilà dans le pays d'origine ça c'est ça président mais le républicain dit non il n'y a rien ça là-dedans et puis il pas bah moyen tout pour déporter plusieurs millions d'immigrants qui viennent demander asile frontière depuis président Biden précisément et en 2021 et donc pas de moyen ça donc le républicain jeté bah ça pas coutu il veut le jeter. Et ça c'est réaction républicain qui quelques républicains en fait leader républicain dans Congrès. Gain tout une coalition qui a encore des militants qui défendent droits immigrants et parmi eux gain Hichène Brizalaens, gain Congrès tout député surtout qui sorti dans district électoral côté gain puis d'immigrants là-dedans qui se soit dans Chicago, qui se soit dans et Massachusetts et alors on a parlé Illinois ou bien dans Massachusetts ou bien de l'autre côté ou bien Minnesota et bien groupe congressman ça a été réuni tout près congrès devant congrès il a pris une petite priorité réagi et au moins d'un seul bagage au moins d'administration que mais juste ça dit pas aider dit seulement contribuer à plus problème toujours parce que le papoté aux solutions donc au moins d'administration au lieu pour empêcher les gens de demander asile parce que les États-Unis sont réputés comme côté qui est censé aider les gens à chercher cap, chercher protection. Je dis que ça, c'est ça, c'est écarter la pécarité de mon hôpital. Donc, je me dis que ça, c'est pour retourner sur la décision. Et ils ont menacé. Ils ont dit que s'ils ne pas retourner sur la décision, ils vont aller dans le tribunal. J'ai encore été fait déjà. Sous administration Donald Trump, là, tout l'été pas mis du sérieux, bien, il est allé en tribunal avec. Il y a plusieurs monde qui témoignaient, et c'est monde qui étaient entré dans le pays illégalement, avec parents, il y a un parlementaire, un député qui sorti dans Chicago. Il y a un autre parlementaire qui lui-même c'est un réfugié, qui est entré aux États-Unis tout comme réfugié, avec parents. Et lui-même tout, lui parle tout. Et puis il y a LGBT. LGBT, c'est bon. C'est mon garçon, ma commère, mesdames, mon compère. Alors, pas que mesdames, non. Alors, c'est groupe représentant garçon, ma commère, avec mesdames, mon compère. Avec l'autre monde, le bisexuel, ou bien encore monde qui straight, monde qui groupe ça, il te parle tout. Et lui-même, il dit que, mais juste ça, il détruit au lieu que lui résoudre le problème. Donc, c'est des réactions et groupes. Une autre réaction encore, c'est et gouverneur et député, magistrat, monde qui est censé sortir sous frontière et qui connaît le problème immigrant. Eh bien, il était tout dans la Maison Blanche, il était sur l'invitation, puis il était venu
et yo t'ai parlé avec la presse côté que pour même yo dit que parce que c'est on pas dans bonne direction même si au fond il pas résout problème là problème crise migratoire là ou bien ce problème sécurité sur frontière là pas résout dès qu'a pas résout lui parce que ça va pas empêcher monde continuer venir monde continuer à venir parce que je dis à comparer à 2015 2016 là par exemple tu gagnais c'était immigrant tu comptes sur l'Amérique latine dans ça était les triangles eh bien bon je dis à gagnais immigrant sorti plus loin que ça bah la vie nouvelle net et gagnais immigrant sorti en Europe par exemple en Ukraine gagnais immigrant sorti en Afrique gagnais immigrant sorti en Asie la Chine Inde même si c'était quelque ça donc chiffre là li dépassé je dis et Mexique censé qui c'est censé pays voisin qui facile pour que immigrants arrivent eh bien Mexique lui même tout li se pas carimbé li gon nouveau président son femme et en pile monde espère que li pral essayer contrôler flot immigrants parce que c'est une bail que administration travail ça avec Mexique pour contrôler flot immigrants qui arrivent sur frontière donc si Mexique capable contrôler eh bien ça capable gagner moins nous qui arrivent sur frontière eh bien bon. Donc quand c'est immigrant ça yo chiffre là pas résout donc c'est ça que par député ou encore magistrat communal yo fait connait que dit mais yo croit que sont pas dans bonne direction donc sur point ça m'a pour retourner sur dossier ça parce que j'étais dans maison blanche chambre te font un reportage et je suis en bref ça que t'ai dit mais pas t'aller en profondeur je dis en pas en profondeur côté nous pas faut attendre voit tout le monde qui concerne et qui parle de dossier. Il y a tout et agence des Nations Unies pour réfugiés auto qui reconnaît que c'est droit États-Unis qui pour le contrôle des frontières. Mais il dit que mais juste ça, il peut empêcher et monde cap chercher, il va chercher monde cap chercher et protection internationale empêcher aux jeunes accès puis à fond demande de comme réfugiés aux États-Unis. Donc c'est réaction agence de l'ONU pour réfugiés au fait sur question là. C'est tout bas ça. Donc, nous avons parlé tout avec Galine Joseph, qui est responsable de Chine Brise Alliance. Donc, il y a l'autre dossier qui est en cours. Nous n'avons pas oublié qu'il y a un dossier là, par exemple, l'administration a fait annonce hier. Mais il y a un autre dossier tout qui devant toujours. Il y a des démarches qu'il a fait pour même qu'il a gardé là. Dossier pour et monde qui a un dossier TPS. Là, pour renouveler. Et dossier TPSA ou bien encore là pour considérer on sait le pays et dans le nouveau programme TPSA. Donc nous pouvons connaître, nous attendons pour nous que l'administration et qui pour faire une annonce pour dire oui ou non la renouveler. Donc second dossier TPSA mon et que l'expiré qu'on y a ou bien permis de travail expiré, bon, rappelons que nous avons dit renouveler permis de travail là en attendant. Ok. Donc renouveler permis de travail là en attendant. En attendant qu'aux jeunes aux jeunes on réponde pour qu'on s'accapare faire etc donc c'est ça comme et puis pour monde qui gagne programme qui dans programme Biden tout donc nous encourageons tout continuez prendre rendez-vous continuez tendre sur c'est dans programme Biden oui et sur sous frontière administration conseil et le mando à faire application ça veut dire que loi que décret présidentiel a pas affecté donc ça veut dire le mando et on doit toujours continuer faire demande pour venir dans rendez-vous pour venir demander asile sous frontière donc remplir application CBP voilà c'est ça et puis dans le pays d'Haïti bon et qui est toujours attente que le gouvernement a mettre sous pied a pas annoncé membre cabinet ministériel là et premier ministre Gary Conny a rencontré avec le conseil présidentiel et conseil présidentiel là donc on manque de transition hein. Donc il rencontre avec eux et ils discutent ils parlent de nécessité pour réduire ça les dépenses gouvernement donc premier côté gouvernement dépense en pile l'argent c'est gouvernement et c'est gouvernement lui-même qui est trop grand qui est trop gros par rapport avec conditions économiques pays donc ça veut dire de 18 cabinets ou bien 18 ministères. Eh bien, le Premier ministre a discuté avec le Conseil présidentiel de transition pour y réduire. Bon, finalement, après tant de discussions, etc., donc finalement d'accord pour y mettre à 13 ministères.
au lieu de 18 qui gagne qu'on est là. Donc c'est la discussion. Ensuite, le Premier ministre Gaï Koné dit, lui-même, il peut le mettre, il peut le discuter pour le dire, mais et profil ministre qui parle dans le gouvernement, même profil. En tout cas, tout secteur absouti dans la rue qu'on y a là pour faire des voix, pour dire pas oublier yo. Mesdames yo soti dans la rue pour dire gouvernement pas oublier pour respecter 18% et ou bien 33% constitution en dit pour nous faire partie du gouvernement. L'autre secteur dit pas oublier, par exemple, l'association avec eux dit pas oublier nous. On va pas oublier nous. Il faut qu'on ait un ministère pour mon handicapé, par exemple. Donc tout le monde qu'on y a absouti, mais tout le monde. Apparemment dit bon on a pas gouvernement en chance n'a pas gars qui ont chance pour lui démarrer et selon ça qu'a fait nous va prendre notre décision puis devant mais pour les gars qui dit les grandes missions et mission lancée d'abord réussi et réussi donc qui ça réaliser des élections et les élections prévoir que le 7 février 2026 t'as dû gagner un nouveau président y compris leur institution parlementaire, etc. Tout est actuellement pas gagné. Donc, il croit que d'ici là, il y a autre cas de démarrer. Premièrement, mettre sous pied le conseil électoral provisoire, travail sur question de sécurité, programme calendrier électoral, et puis les élections, etc. Donc, voilà, c'est là nous y est. Et puis, entre-temps, la communauté internationale là, travaille tout, gagner un soldat kenyan, ou encore kenyan qui vient pour vivre dans la tête, force sécurité internationale là, pour garantir, aider la police nationale là, combattre gang, yo, qui ont tient à diminuer l'activité de cette aussi, ça ne veut pas dire que continue, pas continuer à opérer. Et puis, tu as gagné deux missionnaires qui étaient morts avec un haïtien, qui étaient morts en Haïti récemment. Et ben c'est jeudi à funérailles a fait aux États-Unis donc quoi t'es arrivé l'autre bois t'es arrivé ici t'es semaine passée à nos commencements semaine là et ben c'est jeudi à funérailles et missionnaire ça a fait et puis nouvelle là c'est ancien président Donald Trump monsieur qu'on compte TikTok et nous connaissons les États-Unis actuellement à fond, il faut pour éliminer ou bien encore interdire TikTok fonctionne aux États-Unis à cause conflit ou bien possibilité qui gagne pour que TikTok ta ou bien pour que information et américain yo ta tombé en bas main gouvernement chinois qui semble gon pied gon jet sous lit ou bien si c'est pas pour lié même mais et yo te baillé jusqu'à Congrès même parce que même une proposition de loi qui baille jusqu'à l'année prochaine pour que organisation pour que application ça les passer en bas mais ils ont américain de préférence mais cependant dernièrement et organisation TikTok là lui-même et bien il était présenté ou bien encore ils font bail pour dire que ils pourraient séparer et TikTok États-Unis avec TikTok asiatique là pour montrer volontairement que le gouvernement chinois n'a pas accès dans le dossier ou bien dans l'information publique américaine, parce qu'on parle de plus de 100 millions de monde qui fait partie. On a dit que le président Biden n'a pas un compte TikTok, mais campagne a un compte TikTok. Alors, l'importance, c'est un côté que on est capable de contacter les électeurs. Donc c'est ça président Donald Trump, ancien président Donald Trump fait et c'est ça que l'administration Biden a déjà fait déjà. Mais c'est pas président Biden lui-même, même c'est pas contre pas son compte que campagne a fait, c'est justement parce que dans la campagne électorale c'est des jeunes et c'est des jeunes qui pour puis forcer des électeurs potentiels. Donc l'administration fait puis il y a des marches qu'a fait là qu'on y a soit fait pour ce président Donald Trump etc. Qu'a mené campagne qu'on y a là pour voir dans quelle mesure que capable remplacer ou bien encore est-ce que possibilité pour capable remporter les élections même là que le pour le présenter devant devant juge Lee dans New York et 11 juillet justement pour la sentence que le tribunal a pris compte puisque j'ai des jeunes que le coupable pour nous causer Stormy Daniel là ou bien causer documents faux documents mais falsification de documents et l'argent que le payé pour le tâcher silence Stormy Daniel sur une relation amoureuse qu'elle a avec lui en 2006 et en 2016 elle s'est présenté candidat et bien il était bah encore pour tâcher silence madame non pour madame non pas t'aller mettre bah ça dans la rue parce que si ça était dans la rue ben très certainement ça t'a pas affecté affecté candidature dans l'élection 2016 face à Hillary Clinton. Eh bien c'est là que le confrontant s'est parlé avec nous
n'a pas retourné, je dis à et pratiquement nous n'en cas là. Et moi, je ne parle pas surtout de questions et décret ça, réaction tout sur lui. Et puis, nous avons l'autre dossier, nous avons gardé pour surtout dans la situation politique là, dans le pays d'Haïti, avec le Premier ministre Gary Conille qui a travaillé pour former un gouvernement, qui est membre, ancien membre opposition qui était proche du pouvoir passé, qui a même demandé pour. Bah, ils ont chance pour que les mettent gouvernement sur pied, mais nous, que tout le monde a cherché, ouais, si tu as un, Kembe ou bicyclette là, qui a viré. Donc, Kembe ou bicyclette là, pour bicyclette là, viré avant, ça va la gueule. Voilà. Passez bonne journée, et bon après-midi, on a parlé plus tard, dans le journal radio sur télévision, Jacqueline Nankaya là. Donc, Fred pas là, mais Fred avec nous en esprit, Fred nous, dans le pays, New Jersey. Donc, on a pris pour nous, Fred, très bientôt. Et puis, on salue tout le monde. Bonsoir tout le monde. On va parler vite. Bye bye. C'est la Maison Blanche, c'est la présidente. Et la présidente américaine habite. Eh bien, bon, je viens saluer nous là pour me dire que. Et je dis en principe, c'est un jour qui est important dans le programme immigration américain. Hein, côté président Joe Biden. En fait, a fait annonce pour lui parler de question comment l'a fait pour lui freiner quantité de monde qui a demandé refuge et ou qui a demandé asile sous frontière États-Unis partagée avec Mexique là et comment qui dit OK, oui, bon, bonjour. Donc, sous frontière États-Unis partagée avec Mexique, là, en fait, c'est une mesure que la panne, c'est ça, il y a un décret présidentiel que le président signe, justement, pour lui parler de, pour lui dire qui j'en que le pral fait pour lui, diminuer la quantité de monde qui a vu demander asile sous frontière. Et décision, ça, il prend tout dans un moment, côté, nous à quelques mois des élections présidentielles et peut-être même à quelques mois même de nomination candidat au parti républicain, on a parlé de ancien président Donald Trump et puis, président sortant et Joe Biden pour qui parle de parti ça dans l'élection présidentielle et américaine. Alors, dans ce sens, ça que lié, normalement, c'est que, d'après les décrets, et bien, que toute la presse rapportée, et bien, bon, le président a décidé, il a contrôlé la quantité de monde qui a demandé asile sur frontière, et on nomme. Depuis où c'est ça où les entrées illégales, ou passer par la route, ou bien passer en bas fil, ou passer au travers des rivières, et bien entrer, et puis autorité ou mettre mes sous, ou bien parfois même une porte est étoilée, et bien laisse ça autorité ou mettre mes sous, et bien bon, bon chiffre depuis où ils viennent chiffre ça. Eh bien, normalement, on pas capable, et on pas capable d'aller au-delà du chiffre-là, et tout le monde qui t'a venu au-delà du chiffre-là, eh bien, il y a pas retourné, soit retourné au Mexique, ou bien, il voyo, et dans le pays d'origine, quand on est sorti. Donc, en fait, ces décisions sont faites pour un pile monde, observateurs sont en gros décision, mais les militants qui ont défendu les immigrants, ils n'ont pas trop content avec elles, parce qu'ils ont dit que refouler les immigrants au Mexique, ça c'est une, mais leur refouler les immigrants dans le pays d'origine, et parfois, on a couru pour crimes qui sont dans le pays, nous pas même pas de la misère, même, mais problème économique, ça c'est une, mais problème criminalité, ou bien encore, et problème politique, tout, et instabilité politique qui est dans le pays, monde, ça, et bien, ils viennent chercher un côté que quelqu'un, quand le cap a un repos d'esprit, et bien voilà que mon salaire est venu ou refouler la cali avec tout ça, ça impliqué là-dedans. Et donc c'est ça que mes salaires, c'est justement contrôlé. Et nous connaissons que l'ancien président républicain et Donald Trump, qui a un problème avec la justice lui-même, eh bien, campagne, il y a en fait sujet immigration, ou bien immigration, c'est un thème. Que li gen nan campagne lien et lui-même li déjà fait contre position déjà il a dit que moun sa qui vient sous frontière qui vient demander asile ou bien qui vient entrer aux États-Unis c'est des criminels sont c'est des monde qui dans trafic drogue sont c'est des monde qui dans toute bagaille qui négatif la caillou et bien pays la gueo et bien pour venir aux États-Unis donc c'est plus et misère c'est plus ces crimes qui pas augmenter et aux États-Unis mais c'est des bagages qui pas démontré qui pas prouvé.
mais c'est des déclarations que son leader qui fait lui, et bien bon, et rédition pour prouver que ça, pour président, ancien président prouver que ça le dit à ses alliés, mais en principe, donc, gain, dans les années 4, et dans, en fait, dans l'année 2015, yo, quand c'était immigrant qui était convenu à venir sous frontière, venir demander asile, il était sorti surtout en Amérique latine, non? C'est tout. Et depuis 2020, 2021, 2022, et même, m'a parlé à 2024 là, eh bien, immigrants, ça a changé, gon pattern, ça a dit qu'il y a une tendance qui changeait, ça veut dire qu'il a changé, il passait de immigrants qui ont sorti. Non seulement immigrants sorti en Amérique latine, non, avec l'Amérique du Sud, mais ont sorti tout, et dans quelques pays européens, par exemple en Ukraine, et ils ont sorti tout ce continent asiatique là, par exemple en Chine, ils ont sorti en Afrique, que ce soit Afrique de l'Ouest ou d'autres pays, et bien tous les immigrants ça ils utilisent le même parcours ou bien même moyen que les immigrants latins qu'on utilisait pour que soient capables de venir rentrer et venir demander asile aux États-Unis. Donc ça veut dire que c'est les en pile qu'on y a là, les dépasser. Et c'est un problème que les États-Unis ça fait face. Donc voilà, c'est objectif et décret présidentiel ça que le président Biden prend pour lui justement limiter quantité de monde qui vient demander et contrôler quantité de monde qui vient demander asile sur frontière. Cependant, décret ça n'est pas affecté monde qui prend rendez-vous. C'est-à-dire que si vous même vous trouvez au Mexique que vous voulez prendre rendez-vous pour venir demander asile, pas de problème ou tout simplement c'est encourager à encourager pour appliquer ça pour utiliser CBP1 non pour qu'on vienne demander asile, ça dit yo pas encourage pour venir pour contour venir porter tête ou venir ou du venir demander asile ou essayer passer en bas fil essayer traverser de l'eau pour entrer venir demander asile. Donc yo dit que non, c'est pour utiliser CBP1 non qui normalement principe actuellement que yo accepté dans CBP1 non plus environ 115 000 monde par jour. Donc ça veut dire que au capable parmi monde ça a 9 fois d'entrée et ben l'oral dans CBP on là ou télécharger li et puis ou appliquer pour carte. Donc c'est l'autre objectif que l'administration voulait pour mon utiliser CBP on là. L'autre objectif encore c'est que l'administration encourage tout le monde qui fait partie 10 pays qui en Amérique latine avec m'appeler Amérique latine donc Caraïbes là et puis Amérique du Sud donc Venezuela, Colombie par exemple. Eh bien, l'encourager les citoyens et Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Haïti, Cuba, et on était parlé du Venezuela déjà. Eh bien, 10 pays sérieux, ils ont même un autre statut particulier. Ils ont l'autre moyen de venir aux États-Unis. Ils ont venir directement, ça veut dire que, et chercher au monde aux États-Unis qui pour patronner eux, et font application pour eux, ça veut dire pour venir dans le programme Biden, dans le programme humanitaire que l'administration met sous pied depuis le 5 janvier 2023. Le programme ça jusqu'à présent a marché, il continue à marcher toujours. Donc tout le monde qui voulait venir aux États-Unis, sous ceci dans 10 pays, quel que soit côté de notre planète là, depuis ces citoyens 10 pays, et bien au capable de jouer le monde aux États-Unis qui partenaire, qui voulait financièrement partenaire, et bien mon de fabrication pour encourager ça. Là, lui-même, il dit, on pas qu'à venir par la route. Si vous venez par avion et vous débarquez dans une porte d'entrée et aérien, États-Unis, côté que vous venez continuer le processus et le programme ça a libre droit pour être dans le pays pendant 2 ans et côté vous capable de travailler, vous capable de construire sa sécurité, vous capable d'aller à l'école, vous capable d'apprendre l'anglais, et puis vous capable de faire pendant 2 ans ça, et bon, après 2 ans, personne ne va comprendre ça va le passer, peut-être vous même vous capable de changer de statut, ou bien l'autre va être capable de vivre tout, qui va permettre d'être dans le pays plus. Donc, sous ça, et puis le programme dans tout, il n'est pas affecté tout mineur. Mineur, c'est-à-dire que le décret que le présidentiel prend pour contrôler et pour limiter le flot et les gens qui ont demandé asile sur la frontière, eh bien, le décret ça tout, il n'est pas affecté Timoun. Timoun mineur, hein, pas mineur, les gens qui ont moins de 18 ans, eh bien, il n'est pas affecté. C'est-à-dire que tout Timoun qui a moins de 18 ans qui est arrivé sur la frontière sans pas accompagner avec Famon, eh bien, l'administration a pris en charge, eh bien, a pris en considération et a fait ça que de faire, par exemple, dans une maison familiale, vos côté que certainement, pour aller en attendant que capable réunion avec les familles. Voilà, c'est ça de qui a fait. Et puis, dans l'autre nouvelle concernant le pays d'Haïti, eh bien, on a dit que le premier ministre
Gaïkoni, eh bien, il recevoir document qui désigne ou qui nomme comme premier ministre. Ça a été fait dans ces minutes tout coûte dans et villa d'accueil et lundi 3 juin. Et qu'on y a, bon, premier ministre, qu'on y a pas le travail, qu'on y a, c'est une installation qui vous fait ensuite, et dans le travail, qu'on y a pas le travail, qu'on y a avec, conseil présidentiel là justement pour capable former un nouveau gouvernement et nouveau gouvernement ça que le promettre cap et un gouvernement élargi qui était cette rap gain représentant toute couche en société à tout secteur en société à représenter en plus de ça tout gain tout et parti politique qui gain représentant en dedans conseil et présidentiel transition donc c'est cela travail là et gain plusieurs secteurs.